Mais trêve de bavardage. Il est temps d'en finir. Tu peux l'entendre, pas vrai? Il y a quelqu'un qui t'attend. J'ai pas le temps pour ces conneries. Laisse-moi tranquille. Retiens pas!
Mais j'ai une rébellion à mener. Alors ôte-toi de mon chemin. Je t'ai dit de laisser tomber, Ethan! Tu nous gênes! Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as tué ma femme, sale ordure! Tu crois que je tuerais Mia? C'était pas elle. C'était Miranda. Quoi? C'est une arme biologique. Elle a changé son apparence et elle s'est fait passer pour Mia. Apparemment, elle a survécu, donc je suis là pour finir le boulot. Tu te fous de moi? Pourquoi tu m'en as pas parlé tout de suite? Parce que je savais que tu voudrais t'en mêler! Cette mission est déjà assez dure sans avoir de civils dans les pattes. Mais pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe, putain? D'accord, Ethan. D'accord. Je te dois une explication. Passe-moi cette clé. En résumé, Miranda est complètement tarée. Et ce village, tous les monstres qui y habitent, c'est l'œuvre de sa vie. Une sorte de grande expérience sur la moisissure. La moisissure? Comme en Louisiane? Putain de merde! Et tout ce temps, moi, je pensais pouvoir sauver ma famille. Je peux pas sortir d'ici. Je peux rien faire! Non, pas forcément. Regarde ça. Mes hommes m'ont envoyé ces images à l'instant. Regarde la suite. Rose, putain, faut
faut qu'on y aille. Du calme, mes hommes surveillent la situation. Mais elle a ma fille. Je crois que tu saisis pas. Tout seul, t'as aucune chance contre Miranda. Je vais rester ici pour placer des explosifs. Prends cet ascenseur, je te retrouve en haut. Je te promets qu'on récupérera ta fille. Ensemble. Un peu qu'on va le faire. Et quand je trouverai Miranda, je lui ferai la peau. Très bien. Alors prends ça. Et rends-moi service. Te fais pas trop remarquer. Je peux plus reculer. Composite métal polymère. On va combattre le feu par le feu. J'arrive, Rose. Qu'un misérable cafard. Tu penses pouvoir m'affronter? Miaa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 
ne sont qu'une bande de pions sans valeur. Moi, je me bats pour la liberté. J'utiliserai ton adorable petite fille pour leur tour, Nathan. Finis de jouer. Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord ? Ethan ? Rose ? Ethan ? Ethan, réponds ! Mia ? Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas ? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose ! Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre état. Qui es-tu ? Où est Rose ? Hein ? Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyne et de son pouvoir sur la moisissure ? Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyne. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Il me la faut à tout prix. Va te faire foutre, pauvre taré ! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Megamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne ! Où est-ce que t'es ? Montre-toi ! Pourquoi Rose est-elle si spéciale ? Est-ce à cause de ses parents ? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda.
Espèce de lâche. Allez, amène-toi. Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Megamycète. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard. À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. J'ai attendu si longtemps. Mon rêve va enfin se réaliser. À travers Rose, je vais enfin pouvoir retrouver mon enfant. Fellow is dead.